Bonjour, je m'appelle Moussa Koné. Je vais vous raconter mon histoire. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et moi j'ai été imam pendant 10 ans. J'étais l'assistant de mon père, qui était un missionnaire de l'islam. Et c'est lui qui m'a formé, m'a enseigné le Coran. Et j'ai fini de lire les 114 chapitres pendant 5 ans. Et on est revenu pour faire le tafsir, le sens de chaque mot, pendant 5 autres années. Et donc, mon père était pour moi un héros. Je voulais lui ressembler, être un imam comme mon père, être un imam comme mon grand-père. Alors, il y avait cette question que j'ai posée à mon père. Pendant que nous lisons le Coran, si la mort intervient, est-ce que nous allons partir au paradis? Et là, sa réponse a été, on ne peut pas le savoir pendant que nous sommes vivants. Parce qu'il y aura des balances qui seront érigées au jour du jugement et ça va peser les œuvres de chaque personne. Et donc, à cela, j'ai commencé moi-même mes propres recherches. Alors, je commence par la 100e sourate dans le Coran. À partir du verset 3, il dit « Inna lisan li rabihe la kanudun, wa inna ho ala zali ka la shahidun, wa inna ho li hobli kairi la shadidun. » C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Le Coran veut dire que tous sont pécheurs, tous les humains pêchent. Après la 101e sourate dit « Fa'ama man sakulati mawazinuho fa huwa fi shati radiyati » C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Alors, j'ai commencé à réfléchir. La 100e sourate me dit que je suis pécheur et la 101e sourate me dit que je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. J'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Logiquement, je ne pouvais pas savoir mon séjour dans l'au-delà, ce qui m'attristait beaucoup. Et dans mes recherches, j'ai aussi découvert la personne de Jésus dans le Coran. Je le découvre d'abord avec des titres. Dans la 4e sourate, verset 171, il y a 3 titres au moins. Il y a Al-Masih, le Messie. Il y a Ruhlah, l'Esprit de Dieu. Il y a Kalimatullah, la parole de Dieu. Je suis donc le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ensuite, je découvre que Jésus n'a jamais péché, il n'a pas péché dans le Coran, mais par contre, j'ai découvert les péchés des autres prophètes. Alors, le prophète de l'islam, 48e sourate, versets 1 et 2, il dit, Allah lui dit, nous t'accordons la victoire pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Je dis, mais lui aussi, il a péché, mais Jésus, jamais. N'a pas péché. La 19e sourate dit un enfant saint sans péché à sa naissance, un enfant saint, ça veut dire sans péché. Alors, je découvre après que Jésus a été crucifié, mais la sourate 4 d'abord, au verset 156 et 158, rejette la crucifixion de Jésus. Et ces versets disent que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place. Mais par contre, la 3e sourate, le verset 55, un dialogue entre Allah et son prophète Jésus dans le Coran. Il dit Izikal Allah. Allah dit Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika. Je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Il dit quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Les deux verbes, mourir et ressusciter, et élevé, sont collé par une conjonction. Ça veut dire Jésus est mort et ressuscité. Mais moi, je voulais savoir de quelle mort il est mort. Et je prends donc le verbe qui a été traduit en français, mourir. Tawafa est le verbe là. Tawafa, la première interprétation donne mort violente. La crucifixion est une mort violente. Deuxième interprétation, mourir pour atteindre un but. C'était le cas pour la crucifixion. La troisième interprétation, c'est mourir pour payer une dette. Ce qui veut dire la crucifixion. Donc j'ai compris que Jésus est mort par crucifixion et ressuscité. Maintenant, après tout ça, j'avais une décision à prendre. Je suis allé donc dans ma cabine, sachant que je ne pouvais pas de moi-même, je ne voulais pas
quitté l'islam, mais je n'étais pas sauvé dans l'islam, dans le Coran. Donc, j'ai vu Jésus qui est au-dessus des autres. En ce moment-là, je devais prendre une décision. Mais j'ai interrogé Dieu. Je dis, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Et là, je sens que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas continuer à prier comme musulman, mais je ne peux pas devenir chrétien aussi. Comme tu es Dieu, décide ce que tu veux. C'est en ce moment-là que, dans ma cabine, j'avais éteint la lumière. Et pendant que je m'apprêtais à dormir, il y a eu une autre lumière qui s'est faite et une personne était présente avec moi dans le bateau. Et cette personne m'a juste dit, « Moussa, tu as toutes les informations que tu veux. Prends ta propre décision. » Et puis, il n'y avait plus de lumière, c'était les ténèbres. De nouveau, je l'ai cherché, je ne l'ai pas revu. Et donc, suite à tout ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Parce que dans l'islam, selon le Coran, je n'étais pas sauvé. Et Jésus a des titres au-dessus des autres, il n'a jamais péché. J'ai donc donné ma vie à Jésus en 1987. Et toi qui m'écoutes, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, là, quel que soit ton nom, un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie, Leza Ahad, pas un seul, il a Ani, qui ne vienne à moi, il a Abi, ne peut arriver au Père. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Il va laver tes péchés. Donne ta vie à Jésus, tu connaîtras le paradis.